notre pied sous pied nous pour nous capables préparer que nous allons recevoir un message par mon Dieu après nous prier, nous chanter, pour nous aider, mon Dieu, nous parler, c'est de nous parler avec cœur. Et c'est ça, nous venons faire dans ce moment, nous venons entendre les paroles, mon Dieu. Amen. Amen. Nous venons entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Et m'assurer que c'est ça que nous là, soit. Ce moment de Dieu, est-ce que le Seigneur touché, parle avec cœur, disposé dans moi, parce que je sois parole et utiliser ses serviteurs pour qu'on puisse parler avec moi. Papa, nous qui dans le ciel, nous bénissons, nous exaltons, nous magnifions, nous demandons au moment ça. Pour que Seigneur prépare nous pour recevoir parole, parole de vie, parole de transformation, parole d'assurance. Et permettre que cher Seigneur serviteur, capable de disposer comme canal pour parler et pour bénir dans le peuple à souhait et à soif. Dans le nom de Jésus, bénis chaque monde qui l'a souhait, Seigneur. Et nous demandons pour qu'on faire semaine de grâce et de bénédiction pour assembler ça au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Mettez comme les soupirs, vous notre pasteur et les mains qui a passé devant pour voir le message de la parole de Dieu. Et bon, Dieu va mettre sous pied pour les dire, pour les saluer également et porter salutation de l'Église. Mais nous assurer que c'est avec joie que nous présentons au pasteur et les mains qui par inconnu pour nous, qui sont en nous et qui collaborateur avec nous, mais également que ce que le Seigneur a utilisé ce matin pour bénir nous, chaque monde qui l'a soit. Amen. 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 Avec vous, pasteur Yannick. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, pasteur. Nous remercions le Seigneur qui est possible pour nous, ici, à soir, et commencer des marches de prédication de votre anniversaire. Nous portons pour vous les salutations de ma famille, ma femme et mes trois enfants. Nous portons aussi pour vous les salutations de la grande église de Philadelphie, de Montréal, nous espérons que ce maintenant va être source de grâce et de bénédiction. Nous avons une responsabilité pour partager avec vous un thème que le pasteur a soumis nous sur la confiance en Dieu, adossement, bon Dieu en contrôle, qui se tient dans le livre d'Ésaïe. Nous avons fait un travail de fondation. Parce que c'est un prophète à la fois historique et christologique. Nous allons camper là, nous vivons dans la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 1er. Nous allons lire pour vous. Ésaïe, chapitre 1er. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur. Il l'aime. La crèche de son maître, Israël, ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état.
Ce ne sont que blessures, quotidiens et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. La fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Verset 9, d'ici l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. Parole du Seigneur. Merci au Père Chita. Chaque fois que vous avez la responsabilité de prêcher une semaine sur un sujet ou bien un livre de la Bible donnée, par responsabilité de prédicateur, par expérience aussi d'homme de la chair, quand on peut parler à conscience, nous prenons la responsabilité souvent pour poser des blocs de fondation pour comprendre le contexte, premièrement du livre. Deuxièmement, le contexte du texte. Et troisièmement, le contexte de votre thème, ma pauvre. Il y a trois valeurs pour le faire. Nous faisons premièrement le contexte du livre, côté texte, nous sortir avec le choisi terme. Ensuite, nous avons le contexte du texte, soit dans tout le livre, ou même d'une partie du livre, pour permettre de comprendre. Et ensuite, nous avons le contexte de votre thème. Donc, il y a le côté comme ça. Dans ces conditions, c'est le contexte du livre, il y a le contexte historique de l'affaire. C'est le contexte du texte, il y a le contexte théologique de l'affaire. Ensuite, il y a le contexte du thème, il y a le contexte pratique de l'affaire. Est-ce que vous avez compris? Donc, pendant ce moment, on a pu souffrir pour nous faire quelques petits détails, pour nous mettre un petit peu dans la compréhension du livre d'Ésaïe. On a fait ça à Soya. Ensuite, demain soir, on a fait compréhension du texte, et puis mercredi soir on a fait la compréhension du thème, et puis jeudi soir on a commencé à prêcher. Ou d'abord ça. Il y a un auteur qui écrit un ouvrage que moi-même en Bible, c'est une Bible étant deux versions, et à côté de ça, il écrit une église étant de dénomination. Il y a une question que chrétien évangélique doit poser, peut-être qu'il y a la Bible, c'est comment un livre qui est écrit depuis des millénaires, sous des formats qui ne pas représenter grand-chose par rapport à la technologie de temps, comment le livre ça a fait une réponse à problème aujourd'hui. C'est une question d'ordre technique qui normal vous poser parce que l'on baille à Bible, l'autre baille à Bible, une approche séculière. Comme si vous avez son livre, tout livre. Donc si son livre qui écrit, qui prend à peu près 2000 ans pour nous mettre ensemble, qui est souscrit sous différentes origines, comment vous voulez faire convaincre que l'Ibsa a une réponse à problème de l'Ibsa? Première réponse, c'est parce que ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Et si dans la grande bibliothèque, il y a des zones que les bibliothèques avant maintenant 20 ans, c'est difficile. C'est dans la bombe de l'énoncement, bien que dans le week-end, donc peut-être que même parce que la Bible là, ça fait mille, de Genèse à Apocalypse, on va prendre une fois mille. Même dans la Bible, on prend un texte de la Bible là, que l'on va prendre pour 3000 ans, vous comprenez. Ça, c'est pour mieux répondre, je vais compter tout, c'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Deuxième règle, comprendre le texte du livre, c'est pas ce que la Bible là, pas simplement l'écriture d'un homme.